Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto. On va faire un hoopmail. Alors, c'est le premier que je vais faire, donc soyez un petit peu indulgents, s'il vous plaît. Alors, mon thème, moi, c'est noir et blanc. Donc, j'ai choisi de mettre ce papier-là en dessous. Alors, c'est noir et blanc, mais je ne sais pas si ça, faut que je le laisse en couleur bois ou pas. Aucune idée. Je vais le laisser en couleur bois. Donc, allez, c'est parti. Je fais le tour. Je découpe. Si j'arrive à voir aussi. Pas très doué, mais bon, ça va à peu près. Alors, voyons voir. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas trop non, je suis pas trop mal. Bon, je colle ça. Alors, avec quoi je vais coller ça? Je vais coller ça avec ma tombeau. Elle colle bien celle-ci. En même temps, je suis en train de réfléchir à comment faut que je décore. Parce que j'ai le droit qu'au noir et blanc, un peu de paillettes et tout ça, mais c'est pas évident, non? Noir et blanc comme ça. Surtout qu'en ce moment, je suis très couleur, un peu pastel, mais quand même très coloré en ce moment. J'essaie que ça soit à peu près droit. Je découperai ce qui dépasse après. Alors, le temps que ça sèche, hop, je vais choisir le papier que je vais mettre devant. Alors, comme là j'ai un fond blanc, je voudrais un fond noir. Est-ce que je prends ça ou je prends... prendre dans le sens là, c'est comme des petites gouttes. Ouais, c'est ça. Par contre, ta pochette, je la mets. Ouais. Je veux pas qu'elle soit trop haute non plus. Ouais, ça devrait le faire.
suis pas sûre de voir le crayon sur le noir. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, que ça soit droit. Ouais. OK. C'est parti, cold. Je vais essayer de couper. Là, ça dépasse un petit peu. Tu colles. C'est pas trop mal. Et puis celui-là.
Alors, par contre, je décorerai bien autour. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc, du coup, noir et blanc. Alors, ruban. Oups, désolée. Donc, soit du ruban comme ça. Ah, mais j'en ai aussi du noir. Voyons voir qu'est-ce qui serait mieux. Est-ce que je mets pour cacher en blanc ou en noir? Alors, il est au début. En blanc ou en noir? Sachant que là j'ai envie de mettre ça. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai envie de mettre des petits cœurs. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de mettre ça. Donc ce serait mieux que ce soit sur du noir ou sur du blanc. Je vais prendre le blanc. Bon. Je vais peut-être coller ça d'abord. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je coupe là. Donc je colle ça là. Et quoi je colle ça? Je vais mettre des dots en dessous. Bien pratique ces trucs là. Alors là ce sont des grands, mais j'en ai des plus petits. Ça ils font quoi? Ils font 8 mm de diamètre, mais j'en ai des plus petits. Je mets ça pour coller aussi mes seaux de mes cachets de cire. Ça les colle bien. J'ai essayé la colle chaude, ça marchait pas. Je sais pas. Soit je suis pas dévouée, ou soit c'est pas la bonne méthode. Mais avec des dots là comme ça, ça fonctionne bien. C'est la fin. Je sais pas si j'en ai encore les comme ça. Voilà. Du coup, j'en ai plus d'avance. Il va falloir que j'en rachète.
Désolée pour le bruit, j'essaie de bien m'installer. Donc j'ai dit après ici. Voilà. Et alors, pour coller ça, double face, hein, je pense. Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que j'ai fait double face rouge? Là. J'ai essayé de ronger, hein, mais j'ai pas eu le temps de tout ranger. Ouais, c'est la bonne taille. Allez, c'est parti. On va mettre tout autour. Alors, il y a peut-être une méthode plus simple pour faire les hoopmails, hein. Moi je ne sais pas. Après avoir compris ce que c'était, je me suis dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais bon, je peux me tromper. Du coup, il faut que je coupe mes ciseaux. C'est plus bien. Bon, alors c'est parti. Le bout est là. Voilà. Je suis désolée, je vous montre peut-être pas bien comme il faut, mais je voudrais au moins bien voir ce que je fais. Voilà. Ah voilà, c'est pas trop mal. Bon, ça manque un peu de déco quand même, mais pour le moment, c'est pas trop mal. Ça me plaît bien. Est-ce que je mets un petit nœud là, blanc? Voyons voir. Hop.
Désolée, je vous bouge. Des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Ça, ça va être trop petit. J'ai celui-là qui pourrait peut-être être sympa. J'en ai pas de noir. Ça aurait pu être sympa aussi en noir. Je vais mettre ce nœud-là. Ça va cacher. Du coup, colle chaude. Alors, hop, tu chauffes toi. Voilà. En attendant, je range ça. Et je réfléchis, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Alors, j'ai fait des cachets de cire. Donc là, c'est avec une rose, avec un des derniers seaux. Et là, c'est le petit nœud. Non, ça ferait pas beau. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, ça me fait bizarre juste le neuf. Non, ça ferait pas beaucoup. Bien sûr, il a fallu que je mette de la colle chaude sur les doigts. Alors, le petit nœud, ça, faudrait, bon, je pense que je vais arrêter là pour tout de suite et je referai une vidéo pour la déco. Et en même temps, je présenterai ce que je vais mettre dedans parce que là, on va perdre trop de temps. Alors, j'ai déjà fait des cachets de cire. Je voudrais juste... présenter un petit peu ça, mais voilà les petits cachets de cire que j'ai fait et j'ai préparé un petit sachet avec plein de petits scraps bijoux là dans les tons blanc, noir et pour le moment c'est tout. Ah oui, j'ai dit que je ferai une pochette derrière pour mettre ma carte. On va peut-être faire ça quand même dès maintenant. J'ai une pochette pour faire ma carte. J'utilise moi pour que ça tranche un peu. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Je sais vraiment pas. Pff. Franchement. Oui, bah, tant pis. Ça va pas là-dessus. Comme ça, je fais une pochette derrière. Je mettrai ma carte. Alors, le papier, c'est du papier de chez Action. Et il est pas mal, hein.
alors. Ça va me faire une petite pochette pour mettre ma carte. Hop, petite bête, attends. Et puis bah là, je mettrai bien. Alors, j'ai pas de noix en fait dans mes petits nœuds machin là. Bah, je vais mettre ça, mes petits rubans bonbons. Hop, je n'ai pas du rosé. Et là, cette fois-ci, je peux mettre du noir. Ouais, ça a tranché. Je vais faire ça. Par contre, ouais, c'est là. Alors, où est-ce que j'ai mis mon double face? Je suis toujours en train de rechercher quelque chose. C'est fou, hein? J'ai tout apporté. Voilà. Donc, j'avais dit que ça c'était la bonne taille. Allez hop, c'est parti. Ah, désolé, je bouge. Voilà. Ça aurait pu être un peu mieux fait, hein. Ah bon, c'est pas grave. Donc voilà. Bon. Pour l'instant, juste comme il est, j'aurai plus qu'à décorer le devant. Et derrière, non, je vais le laisser comme ça. Je vais juste mettre un petit tampon. Mais derrière, je ne le décore pas. Et dedans, je pourrais mettre ma carte. Et puis là, tous mes goodies. Alors pour l'instant, j'ai juste fait ça. Il faut que je décore encore... le haut là, ça paraît, je vais mettre un petit truc et puis bah, après je ferai d'autres choses et je mettrai aussi dedans et on fera ça, je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Bon, la prochaine fois on se voit pour la déco et puis après je vous montrerai une fois terminé. Je vous dis au revoir et je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.